Avant que ne soit ce qui est, il y avait le cube. Nous ignorons tout de son origine. Nous savons seulement qu'il a la capacité de créer des mondes et d'y faire naître la vie. Et bonjour à tous, c'est Pato, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Damnation. Donc toujours la map de Kakarom, hein. Ça change pas. Donc on s'était arrêté après le petit temple avec le donjon de Creeper sur le toit, où j'ai failli mourir d'ailleurs. Et donc on se retrouve dans la grotte qu'on va terminer de visiter, enfin peut-être pas terminer de visiter, mais qu'on va visiter. Donc je m'étais enfermé dans mes petits blocs de grès. Et voilà, donc c'est parti, on repart à l'aventure. Donc on va repartir, je cherchais en fait une sortie entre guillemets. Enfin un chemin plutôt. Pour m'emmener loin d'ici. Il va falloir que je mange. Hop, une petite carotte. Donc je peux partir par là-haut. À quelle profondeur là? À 29, je suis un peu haut pour du diamant. Ah mais là ça descend bien. C'est bien, il m'a récolté le fer. Donc ensuite on va partir. Alors là on n'a pas vraiment le choix. C'est du lapis, on va aller, vous savez quoi, par là. Qu'est-ce que ça use comme torche quand même, ces grottes là? Tiens. J'aperçois plein de trucs bizarres. J'ai vite fait kill ce mec là. Est-ce déjà un nouveau temple à visiter? Ouh, ouais. Pas mal de toiles d'araignée. Si c'est ce que je pense, parce que j'ai vu que dans les commentaires de vidéos, il parlait de Arachnophobia, là, une ville. Vu les toiles d'araignée qui pend partout, il y a de fortes chances que ce soit ici. Du coup, donc on va descendre donc dans cette petite ville sympathique qui m'a l'air bien sympathique. Donc je vais juste mettre une torche là pour me rappeler que je suis venu de là-haut et on va commencer donc dans le vif du sujet, hein, en rentrant dans cette maison. En fermant ici pour éviter l'intrusion de petites araignées. Donc voilà. Donc du bois à récolter de nouveau. Que je vais carrément prendre avec ma pioche. Des petits coffres planqués. Ah putain, c'est des dalles, je me suis fait avoir. Du papier, de l'encre. J'ai pas besoin. De toute façon, j'ai plus beaucoup de place dans mes poches là. Des toiles d'araignée. Pourquoi t'as mis des dalles ici? Moi je voulais des coffres. Des coffres. Je voulais du bois, toile d'araignée, du cuir et un vrai bout de bois. Pourquoi je le récolte pas? C'est pas le même. Ah bah vas-y, si tu mets des planches, je vais faire direct des bâtons avec. Ah il m'en faut deux en plus, mais merde. Donc cette maison apparemment c'est tout ce qu'il y a. Donc on va continuer. C'est laquelle qui avait flotté des arthropodes dessus, c'est celle-là. Ouh punaise, ouais, ça doit être cette ville là. Un puits, par contre les puits, moi je les vis, enfin je les visite. Je le creuse parce que on sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Vu que je cherche de l'eau. Ah punaise, pas eux. Vous m'avez pas manqué depuis la dernière fois. Hein.
pas d'eau à l'horizon. Donc on va continuer. Je sais pas d'où vous sortez là. Pour moi ça va, les araignées c'est vraiment pas, c'est pas ce qui me fait le plus peur hein. Hop, du pain, du charbon. Tranchant, j'en ai déjà 12 des tranchants là. Les bottes en or. J'ai des bottes en diams, mais j'en ai bientôt plus, on va les prendre. L'épée en fer, je vais carrément la laisser. Bon, pour l'instant, vu que j'ai pas beaucoup de place, j'aurais peut-être dû quand même rentrer avant. Bon, c'est pas grave. Allez, les dalles. On ferme la porte et on continue. Alors ensuite, petit tour. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? À part ces cons là. Et des araignées en veux-tu en voilà, par contre ça. Je vais être à côté d'un donjon là, je vais m'éloigner, je vais rentrer directement dans cette maison. Oula, est-ce que ça c'est normal par contre? Ah bah oui, vu qu'il y a un pylône là, c'est normal. Bon, les os je récupère. Ah punaise, un œuf de poulet. Jeter, on va enlever la terre. Déjà deux œufs sur moi. Bon, des dalles, je suppose. Par contre, ça m'intrigue ça. Je regarde pas l'Enderman, hein. Vous voyez tout en haut dans le coin là-bas, il y a pas mal de fougères. Enfin, je sais pas, c'est pas des fougères, mais. Vous avez compris. Donc, hop, là c'est fait. Peut-être une autre grotte là-bas encore. Bon, j'ai pas fini cet endroit-là. Bon, y a pas, c'est pas l'air d'être non plus super super grand. Alors, comment on a efficacité, ça je prends. Protection, hein. Hop, je vais le prendre, les livres enchantes, par contre. Bon, je demande pas, mais je suppose que c'est. Du bois, ça fait plaisir. Du coup, je vais pouvoir me faire des bâtons. Finalement, ça me prend pas les. Bon, tant pis. Ah, si, il faudrait peut-être que. Non, mais c'est trop tard, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Si je fais ça, et que je fais ça. Du coup t'as pas le choix, mais il m'en reste un encore. Oui, donc ouais, pas, je pense pas qu'il y ait de doute possible sur le nom de la ville, c'est bien Arachno machin. Oh putain, non, pas les araignées empoisonnées. Ça c'est de la connerie par contre, j'aime pas du tout. Heureusement que j'ai direct pété le donjon là parce que... C'est du papier simple. Punaise, par contre il y a quasiment une panneau entière là. Donc on va virer le fil. Tant pis pour les plumes et ça, on fera pas de flèches, tant pis. Mais avec efficacité, je peux me faire des efficacités 2, 2, etc.
Moi, le pain, ça va, je suis blindé aussi. Punaise. Faut que je me casse parce que là, les araignées bleues, ça, par contre, même en difficile, on peut avoir le stuff qu'on veut. C'est vraiment de la merde. Bon, maintenant, je connais les planques à donjon. Putain, il y a une full panneau là. Tant pis pour le cuir. J'ai full panneau en or quasiment. Ça, je récupère. Oh punaise, encore un œuf, putain. Punaise, pardon, désolé pour les grands mots. C'est pas sympa. J'en ai nouveau 3. À chaque fois, je me dis c'est bon, j'en ai 2. C'est surtout dur de se retrouver ici. Là en bas, j'étais pas dans cette maison là. Ouais, je vous ai vu. Oh punaise. Où est le donjon? C'est bon, je l'ai vu. Punaise, je déteste ces araignées. Par contre, le deuxième, du coup, non, je vais pas le prendre. Couvre de néant, ouais, maintenant j'ai pas délicatesse. C'est pas grave. Ah non, je vais attendre que ma vie se régène. C'est bon, on tient le coup pour l'instant. Il a pas l'air super grand, les petits villages comme ça. C'est sympa parce que c'est pas trop grand. Hop, on va y aller. Encore du pain. Je viens de voir des flammes là. Voilà. Heureusement qu'on les voit à travers les blocs. Hein. Efficacité, hein, punaise, il faut que je récupère tous les bouquins. Je peux faire une pioche avec efficacité 3 par exemple dessus. Cool, un cube. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça. Et je vais me faire des bâtons. Et du coup, j'ai gagné une place. Voilà. Donc là c'est bon. Oh punaise, un œil d'Ender, ça tombe bien parce que avant j'ai eu un petit souci avec l'œil d'avant. Je pense que vous vous en souvenez, l'épisode d'avant, j'ai fait exploser l'œil. Enfin, pas moi personnellement, mais. Des gens que. Qu'on connaît tous. Donc là, apparemment, j'ai fait le tour. Il y a juste là, il y a un genre de pont là. Est-ce qu'on peut monter en haut? Est-ce que ça c'est visité là? Ah non. Pioche en fer. Putain, j'ai plus rien à jeter là.
pain, j'en ai assez. Je vais prendre la pioche. Le poulet, je m'en fous. Ensuite. Ah, donc c'est par là qu'on est venu. Donc moi, ce que je vais essayer, c'est donc de monter là-haut. Alors, est-ce que c'est juste de la déco? Non mais moi ça m'intrigue. C'est surtout cet endroit-là en fait qui m'intrigue parce que c'est vachement en hauteur. Le mec il dépouille tout quoi, aucune pitié. Mais non, en fait il y avait rien. Aïe. Et aïe. Hop, ça c'est bon. Donc apparemment j'ai fait le tour du village. Toutes les maisons on les a visitées. On va faire un petit tour rapide. Et après, juste essayer de retrouver donc la maison où il n'y avait pas de fond là, qui donnait, on voyait des, comment dire, on voyait des lianes et tout de l'autre côté. C'était là, c'était là-bas. Donc on va directement aller là-bas. Oh punaise, ça fait plaisir. Tu m'as suivi toi, hein, parce que je t'avais entendu mais je t'avais pas vu. Il y a un slim là-bas. Papier. Hop. Surtout pour l'XP un peu. Parce que du coup je vais pouvoir me faire une pioche en fer avec efficacité 3 ou 4 dessus. Parce qu'il me semble pas qu'on puisse ajouter les enchantes sur un truc déjà enchanté avec les livres. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi ça c'est comme ça là? Ah punaise, un temple, ça pète. Et pas loin de l'autre, ce qui fait que de l'autre en fait on le voit, et ça c'est sympa, ça évite de chercher pendant 10 ans. D'ailleurs, il faudrait que je retourne dans le premier aussi là, parce que ces blazes là, ils me font plus de peur. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, mais sérieux lui, vous avez vu le bond qu'il m'a fait faire là? Genre le mec qui peut te pousser à ben bloc quoi. Déjà là-bas il y a un donjon. Ah non, c'est de la lave. En fait ouais, c'est un chemin piégé. On va dire que si on enlève trop vers le haut. Ah en fait je viens de comprendre. Le truc c'est que comme les poissons d'argent font disparaître des blocs, suivant où on mine, ça nous fait tomber la lave sur la gueule en fait. Faut faire gaffe. Apparemment là je m'en sors bien.
de torches. Saloperie, c'est bestiole. Oh punaise, ça c'est un petit coffre sympathique. Épine 3, punaise, magnifique. Bon bah attends, du coup là il faut que je me fasse un petit tri dedans. Oh punaise, tranchant 4, recul 3 au ras de feu, c'est une arme. Oh punaise. Ah là ça fait plaisir. Donc qu'est-ce que je vais virer? Ça déjà je vais récupérer ma petite bouteille d'eau armée. Punaise, je sais pas quoi enlever. Tant pis les flèches. Épine 3, ça je peux pas laisser. Livre, livre. Livre, fiole d'XP, fiole d'expérience, fiole d'expérience, fiole d'expérience, que je vais direct utiliser, comme ça je suis tranquille, et de la pomme de terre pour la planter aussi du coup, et donc une nouvelle arme. Donc en fait voilà, c'était juste ça, mais ça fait plaisir. Est-ce que je tente le coup d'enlever un bloc là au-dessus? Non, c'est pas grave. Hop, arrête-toi, t'es sérieux? Donc ça, ça fait super plaisir. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir. Parce que là, il faut que je vide mes poches, je peux pas me permettre de visiter encore. On va retourner voir les petites araignées là. Voilà, je voulais tester mon arme le temps que je la sorte. Juste que je retrouve par où je suis arrivé. Par ici. Ah punaise, ça c'est magnifique. Un petit recul 3 là-dessus, c'est magnifique. Recul 2, pardon. C'est juste ce qu'il me fallait. Donc là, je suis venu de là. C'est surtout pour les creepers en fait. Regardez-moi ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse après? Le mec qui se retrouve à l'autre bout de la map, quoi. Je me souvenais pas d'être venu tellement loin. Apparemment, si. Ah bah si, oui, voilà. C'est vrai que j'avais trouvé ça, d'abord. Bon, bah écoutez, là, ces deux derniers épisodes, par contre, on a bien avancé. Bon, je sais que j'ai 10 épisodes, il faudrait 20 minutes, là on est déjà à 25, mais c'est juste le temps de rentrer, de faire un petit point là sur les deux épisodes, de ce qu'on a ramassé. Ça va prendre 2 minutes. C'est quoi, on va laisser les mobs, je vais tracer direct. Est-ce qu'on peut la boire, la bouteille d'eau, je sais pas. Après bon, même si on la boit, ça ne sert pas à grand chose. Mais est-ce qu'elle est encore enchantée si on la boit? Et du coup après on taperait avec une bouteille vide. Donc ma maison. Bam. Ce que j'essaye de me faire cet Enderman là. Ouais, oui, moi je suis un fou, moi c'est pas un connard qui va me faire peur là. Avec tes grandes jambes là. Bam! Oui, il a tellement peur qu'il se téléporte. Il peut rien faire contre moi. Ouais, je suis bientôt arrivé. Bon du coup voilà,
Il y a un épisode, je dis, on fera des vidéos de 20 minutes. L'épisode d'après dure déjà 25 minutes et des brouettes. Sinon, c'est quoi? On va faire comme ça. Comme j'avais dit, comme ça, il n'y a pas d'embrouille. On va se mettre là et du coup, on va s'arrêter là. On va faire un petit jetage comme ça. Donc, un œuf de vache, un œuf de poulet, un œuf de champimeux. Stuff en or, protection 1, diamant, épine 3, un œil, 3 émeraudes, du fer, des pommes de terre, efficacité, 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 flamme, et un petit chapeau sympathique, et bien sûr, Morgane. Et voilà, donc on va s'arrêter ici. Donc voilà, 25 minutes, allez, 26. Et je vous dis à la prochaine pour le nouvel épisode.